Hello les étoiles, je viens dans cette vidéo vous parler du premier passage énergétique du mois d'avril, donc passage énergétique qui fait suite au portail du 4 avril. Et là, nous allons, sur cette journée du 8 avril 2020, avoir un passage énergétique sous une influence qui va être très spécifique. Alors pourquoi je vous dis très spécifique? Parce qu'en fait, sur cette journée du 8 avril, nous allons être sous une double influence. Nous allons déjà avoir l'influence de la pleine lune, parce qu'aujourd'hui, c'est l'apogée des énergies de la pleine lune. Donc déjà, ça secoue. Et en plus de ces énergies de la pleine lune, nous sommes sous la vibration du 444. Eh oui, donc une journée, il y a un passage très spécifique en énergie qui va booster vraiment les choses. Par rapport aux énergies de la pleine lune, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, car j'ai déjà fait une vidéo sur la pleine lune du 8 avril. Vous avez le petit qui apparaît pour pouvoir aller écouter cette vidéo. Là, je vais plus me concentrer sur la vibration 444. La vibration 444, elle apporte le message que tout va bien. Ayez confiance que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites exactement ce qu'il faut pour être sur votre chemin de vie. Cette vibration 444 nous encourage vraiment à continuer à construire notre avenir sur des bases solides, sur la stabilité, parce que c'est essentiel d'être stable pour avoir des résultats efficaces dans ce qu'on met en place. Cette vibration 444 met l'accent sur notre sagesse intérieure, met l'accent sur la confiance en soi, sur la confiance en la vie, et que tout va se passer pour le mieux. On nous fait comprendre ici que nous avons la volonté d'accomplir de grandes choses et que la persévérance ainsi que la capacité à l'effort sont vraiment les meilleurs atouts pour atteindre tous nos objectifs. Donc là, nos guides, nos anges gardiens, l'univers, tout nous invite à poursuivre sur le chemin qu'on a choisi d'emprunter. Tout nous pousse à persévérer, à garder notre volonté, à garder notre détermination pour atteindre l'épanouissement. Que ce soit un épanouissement matériel, un épanouissement spirituel, un épanouissement dans la famille, si on garde notre volonté, notre détermination, nous allons atteindre cet objectif d'épanouissement. Cette vibration 44, elle nous amène beaucoup d'énergie positive. Alors c'est de l'énergie d'action, c'est de l'énergie masculine, c'est de l'énergie qui permet de faire des choses, d'affronter des épreuves, une énergie qui est aidante, soutenante, et qui va rester avec nous là pendant quelques jours. Et à côté de ça, on va avoir une recrudescence, j'allais dire, de signes, de messages, d'intuitions, d'idées. Et tout ça sont nos guides, effectivement, mais aussi notre âme, notre voix intérieure, notre sagesse intérieure qui nous envoie des messages, des signes. Et vraiment, c'est important de l'écouter. Je le disais dans une autre capsule, cette voix intérieure vise juste, elle nous envoie les bons messages. Et donc, faites-lui confiance. Faites confiance à votre sagesse, faites confiance à votre intuition. Il n'y a pas meilleure conseillère que son intuition. Et grâce à elle, vous allez pouvoir vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser dans votre existence. Donc restez bien évidemment dans des pensées positives, dans des intentions, des décisions, des actions positives, des actions qui découlent de vos intuitions et de vos idées. Et vraiment, tout va se passer au mieux, les choses vont se mettre en place. Donc voilà, je vraiment vous encourage à rester connecté à votre source intérieure, à votre moi profond, et à mettre des choses en place, à commencer à construire ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, et pour les gens qui vous sont chers. Je vous souhaite une belle pleine lune, un beau passage énergétique, et on se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo.